faisais la vie de moi-même, je faisais la mise en scène, je faisais Figaro et j'avais commandé les décors et j'avais gagné un prix, je vous raconte ça peut-être tantôt, le prix Robert Lepage. Ben là, quand même. Alors allez voir la photo, elle est là, je reste avec toi, on en parle dans quelques instants. Mais pour l'instant, laissez-moi aller en Abitibi. Là, je ne sais pas exactement où, parce que je ne sais pas exactement où il est. Il est entre Rouen et Val-d'Or. Notre collaborateur, Félix Bédé-Fauté. Bonjour, Félix. Oui, bonjour, Karine. De quoi partir encore de Rouen? Ça s'en vient. Ben, en fait, je suis à la sortie de Rouen. Je me suis arrêté pour pouvoir vous parler parce que je suis en direction Val-d'Or. C'est bien, c'est bien. En direction Val-d'Or, parce que ce soir, 17h, c'est le vernissage de l'exposition L'Abitibi-Témiscamingue sur vinyle, 1950 à 1980. Ça va se passer au centre d'exposition de Val-d'Or. Et c'est un gros projet sur lequel vous travaillez depuis plusieurs années, Félix? Ben oui, effectivement, c'est la réalisation, en fait, d'une première partie d'un immense projet qui est peut-être mon projet d'une vie, c'est-à-dire de retracer vraiment l'histoire de musique en Abitibi-Témiscamingue. Ça fait déjà depuis minimum 2005 que je fais des recherches sur l'histoire de musique en Abitibi-Témiscamingue. Mon objectif, c'est d'écrire un livre éventuellement là-dessus. Je suis donc en perpétuelle recherche, perpétuelle, disons, mode entrevue pour retrouver finalement, de retracer toute l'histoire de la musique en Abitibi. Et j'ai commencé en 2005 avec un artiste qui s'appelle Jimmy James, qui est décédé aujourd'hui. J'ai été trouvé à l'époque, qui était un pionnier de la musique country en Abitibi-Témiscamingue, pionnier de rock'n'roll au Canada, qui a eu une carrière à Nashville, qui a eu des succès dans les années 50, et qui est essentiellement inconnu dans le reste du Québec, mais ici, dans notre région, en Abitibi-Témiscamingue, c'était une grande vedette. Il avait sa propre émission de télé, il était dans tous les hôtels, les bars, et même dans le nord-est de l'Ontario. Et donc, vedette, et là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien sur lui, pas de biographie, pas de photo. Alors, après lui, je me suis dit, il faut absolument pallier à ça. Alors, je me suis lancé dans les recherches et me voici plus de 10 ans plus tard avec l'exposition qui présente l'avancement des restes de mes recherches jusqu'à aujourd'hui. Ben, ouais. D'ailleurs, les auditeurs de l'Institut Première sont sans doute familiers avec votre travail. Je repense à l'émission PM, en fait, vous avez fait des chroniques pendant plusieurs années, vous m'avez publié des articles natifs de la Abitibi. Mais là, il y a quand même un pas entre faire des entrevues pour la radio et faire une exposition. Ça doit être un travail colossal d'amasser tout ça. Ah oui, c'était un énorme travail que j'ai pu faire au cours des derniers mois, vraiment d'aller chercher des artefacts.